Ça tourne, Régine. Bonjour, bienvenue. Bonjour Aurore. Bienvenue à Prête? toi aussi. Prête? Oui. Ah Bien. oui, à 100%. On se parle depuis plusieurs minutes. Version non officielle, on passe à la version officielle. Autrement dit, je te laisse Oui. présenter ce sur quoi nous allons travailler. Je t'écoute. Alors voilà. Bon, ben, je suis une maman, une grand-mère à la retraite depuis 3 ans à peu près. Ben, j'ai eu une enfance à peu près normale. On va dire, j'ai une éducation normale, si ce n'est que j'avais une maman qui était très pas affectueuse du tout et un papa autoritaire. Donc j'ai vécu un peu dans cette ambiance, mais ils m'ont appris le respect, enfin les bases, hein. J'ai eu un premier mariage et j'ai eu mes deux premiers garçons. J'ai ensuite divorcé parce qu'il s'était mis à boire, il battait les enfants, j'ai voulu les protéger, donc on s'est séparés. Quelque temps plus tard, j'ai refait ma vie avec un autre homme et j'ai eu deux autres enfants assez rapprochés. Donc j'ai eu en tout trois garçons et la dernière une fille. Ça s'est mal terminé parce que c'était un cas. J'ai subi beaucoup de violences, d'humiliations, de tromperies. Voilà, il y a eu beaucoup de jugements pénaux aussi à cause de cet homme. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas confiance aux hommes, hein. Je suis vraiment très très seule. J'ai essayé de refaire ma vie, mais je suis encore tombée sur un cas et du coup ben, j'ai renoncé et je vis toute seule, voilà. Mes enfants, ben j'en ai deux avec qui j'ai d'énormes problèmes, surtout avec ma dernière fille. Dernièrement, j'ai été vraiment très choquée et très blessée par son attitude et celle de son compagnon. Donc il s'agit de problèmes relationnels entre deux de tes enfants Ouais. et toi. Ouais, et je comprends pas. Je comprends pas parce que je suis pas une personne envahissante, ni méchante, ni au contraire. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Depuis mon enfance, j'ai l'impression, je ne sais pas, j'ai toujours été à part. Il y avait des groupes d'amis, des groupes d'enfants, des petites farandoles, des petits jeux, et j'étais toujours un peu à part, solitaire. Et même dans la vie familiale, ça vient surtout de ma maman. Tu veux ça, et ben tu l'auras pas. Tu auras ce que moi je veux te donner. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà, c'était il fallait choisir, il fallait faire accomplir les choix des parents. Voilà. Je souffre pas mal de la solitude, mais je suis une personne assez indépendante. J'arrive à m'occuper, mais je suis quand même une personne anxieuse, nerveuse, voilà. Mais dans l'ensemble, je vais bien. Question santé. Alors, j'ai eu plusieurs petites interventions, comme l'appendicite, des petites choses comme ça. Il y a quelque temps, j'ai été opérée des mains. On m'a mis une prothèse dans chaque main parce que l'arthrose m'avait mangé tout le cartilage. Je souffre énormément, même encore maintenant. Alors, j'ai des douleurs cervicales en permanence, des fois qui m'irradient jusque dans l'épaule. Et quand je suis en crise, il y a des fois, je ne peux même pas tourner la tête, tellement j'ai mal. J'ai aussi dans le dos, alors j'ai l'impression d'avoir comme des plaques, je ne sais pas. Ça me fait un T à l'envers. Le bas du dos, quand je suis assise, ça va bien. Et quand je me lève, je suis obligée de rester un petit moment pliée en deux et me relever tout doucement, tellement que la douleur irradie dans le bas du dos. Voilà. Alors, depuis quelque temps, ça doit faire 1 an ou 2. J'ai un problème à l'endormissement. Dès que je commence à m'endormir, j'ai une toux qui me réveille.
J'ai une toux qui me réveille et parfois il y a quelques glaires. Et je ne sais pas où je suis perdue, je n'ai pas mes repères. Il me faut quelques secondes pour reprendre mes esprits. J'ai alors une chose très désagréable que j'ai depuis quelque temps, ça doit faire 3-4 ans. J'ai pas du sel, mais j'ai un goût de sel très très fort dans la bouche. Les médecins, les dentistes n'ont jamais compris ce que j'avais. On n'a jamais trouvé ce que j'avais. Et c'est très, très désagréable. Mais vraiment, c'est comme si vous buviez une tasse dans la mer et c'est multiplié par 10, quoi. C'est très salé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le sel dans la bouche. Voilà, sinon. Alors, j'ai quelques capacités. Médiumique, sans prétention. Et j'ai eu quelques messages qui m'ont quand même intriguée. Un des premiers messages que j'ai eu, c'est un espèce de. Alors, c'est toujours soit pendant une méditation, soit à l'endormissement. J'ai vu une espèce de. On va dire, c'est pas un druide, mais. Il en avait l'allure, habillé tout en blanc, la grande barbe, les grands cheveux blancs, qui est venu vers moi et il avait une foule de personnes comme lui, avec lui. Il est venu vers moi pour me tendre la main et il m'a dit, je suis ton père. Ça m'a toujours. Mon père, j'en ai un, mais il n'est pas là, quoi. Voilà. Récemment, toujours à l'endormissement, j'ai eu un flash d'une. Alors, c'était au-dessus de moi, une silhouette féminine très lumineuse qui s'est baissée vers moi pour me toucher le front. Et comme je me suis réveillée, ça a disparu. Voilà. Lors d'une méditation aussi, je me suis vue dans l'épaule, alors je ne sais plus laquelle c'était, un triangle incrusté dans mon épaule avec des signes à l'intérieur. Voilà. Avant notre rendez-vous, il m'a semblé avoir entendu, parce que je suis un petit peu télépathe des fois, une voix qui me demandait, qui savait que j'avais un rendez-vous avec toi, et qui me disait, si tu veux, on peut la piéger, et tu auras tout ce que tu veux. Alors j'ai rigolé, parce Piège-moi. que j'ai dit. J'ai ri un petit peu parce que j'ai souri. J'ai dit, mais si vous êtes si fort que ça, vous n'avez pas besoin de moi. Voilà. Et je leur ai dit, de toute façon, ou vous partez maintenant, ou c'est Aurore qui va vous s'occuper de votre cas. Vous choisissez. Voilà. Et depuis, je pense qu'on m'a à peu près laissé tranquille. Sinon, ben, ce que j'aimerais, c'est que. Ah oui, alors. Il y a une chose qui s'est passée tout au long de ma vie, c'est que quand j'avais des amis, même des membres de ma famille ou dans mon travail, ça se passe bien, ça dure quelques mois, quelques années, et puis ces gens finissent par me tourner le dos sans explication. Même si j'essaye d'aller vers ces personnes, leur demande des explications, elles n'ont rien à me dire. Elles ne veulent plus me voir, elles ne veulent plus, je ne sais pas. C'est curieux comme situation. Voilà. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est retrouver un petit peu, parce que j'ai eu beaucoup d'incompréhension, d'injustice, de violence, de trahison, des choses comme ça. Et je suis fatiguée de tout ça. J'aimerais retrouver la paix et puis retrouver une sérénité, une vie sociale. Et familiale, agréable. J'ai beaucoup de conflits avec ma maman aussi. J'ai oublié de vous dire, il y en a tellement, il y a tellement de choses. Voilà, à peu près, beaucoup de conflits. Maman, ou c'est moi qui suis trop sensible, ou je ne sais pas. Il faut toujours qu'elle me vexe, qu'elle me blesse, qu'elle m'humilie, qu'elle me. Alors, je ne sais pas si c'est maladroit, si c'est volontaire, ou les deux, je ne sais pas. Tu dis également que tu pleures facilement. Ah oui, j'allais en venir. Oui, je pleure très, très, très facilement. Une pensée, un air de musique, même un air gai,
Quelqu'un qui gagne un jeu ou une émotion quelconque, pouf, je vais me mettre à pleurer. Ça a toujours été le cas ou c'est récent? Non, c'est récent. C'est récent. Enfin, j'ai toujours été plus ou moins émotive, mais là, vraiment, ça dépasse les bornes. Hein. Je pleure, mon fils va me parler, il va m'appeler, je suis tellement contente de l'avoir au téléphone, je vais me mettre à pleurer. Celui qui vit à C'est l'étranger. émotion. Oui, lui et puis mon troisième fils, parce que mon fils aîné et ma fille, la dernière, ne me parlent plus. Ce sont les deux du milieu qui me contactent encore. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. On y va? Ouais? Tu te souviens? Qu'est-ce qu'il Tutoie-moi. faut faire? Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux faire là? Qu'est-ce qu'on peut... Un peu de cuisine, peut-être? Suis stressée, excuse-moi, je suis maladroite, mais je suis tellement stressée. Tu te souviens? L'avantage, c'est que je ne suis pas maladroite et que si c'est une première pour toi, ce n'est pas une première pour moi. D'accord? Donc, ce que tu vas faire D'accord. maintenant, c'est trouver une position confortable. Oui. Bon, ben, je vais m'allonger. Qu'est-ce qu'il y a de Voilà, mieux? c'est ce qu'il y a de mieux. Je vais voir. Je vais voir si tu. Est-ce que tu me vois? Alors, tu vas essayer de baisser un tout petit peu l'écran. Est-ce que tu peux avec ton support? Je peux. Là. Ok, tu vas essayer de centrer, c'est-à-dire tu vas le tourner vers ta tête. Ok. Est-ce que tu te vois dans l'écran en tout petit, Oui. est-ce que tu te vois? Ok. Et tu vas le En... faire Oui. remonter un tout petit peu. Je vais enlever mes lunettes. Ça me gêne. Que je Chut. remonte Un tout petit peu, quelques comme millimètres. ça. Voilà, super. Ça tombe. Ok. On va dire que Est-ce que c'est ça va bon là? comme ça. C'est bon Encore? comme ça. C'est bon? D'accord. Ah mince, pardon. Tu sais, quand je te disais au début la technologie, là, c'est bon, on touche plus à rien. Ok. D'accord. Bien. Alors, là, il y a un bruit de frottement. Alors, tu vas essayer de me caler ton cou de façon à ce que le casque n'entre pas en contact avec l'oreiller. Voilà. Fais-moi un, deux, trois. C'est bon pour toi? 1, 3. Non? C'est un casque Bluetooth, n'est-ce pas, Régine? C'est-à-dire que si tu frottes contre Là? l'oreiller, j'ai des bruits, des grisaillements d'oreiller dans les oreilles en Pardon, réalité. excuse-moi. Alors, attends. Et là, est-ce que ça va? C'est mieux, mais l'important c'est que toi, tu te sentes commode aussi dans cette position. Oui, très bien. Alors une profonde, profonde inspiration. Les yeux fermés déjà. À partir de maintenant, Cœur qui bat. des inspirations profondes par le nez et tu expires par la bouche, profondément. Très bien, une fois encore. À chaque mouvement respiratoire, ton corps, tout ton corps, Régine, se détend, s'apaise davantage. Chaque mouvement respiratoire plus ample, plus profond. Et tu te laisses entraîner par ma voix qui t'accompagne, en comptant
à l'envers de 10. Ah. Chaque chiffre, Régine, est un palier. À chaque palier, ton corps, tout ton corps, s'enfoncera davantage, plus serein et détendu. Si tu visualises avant le palier 1, interromps-moi. En attendant, D'accord. tu te détends. Aurore, Je j'ai t'écoute. l'impression que je suis dans l'espace entre deux planètes. Et comment est-ce qu'on se sent dans cet espace, Régine? Suis un peu perdue. Je ne sais pas où aller. Quelle forme a ton corps? Comme un voile qui ondule, comme si j'avais une aube transparente un peu. Ouais, j'ai un peu comme le corps que j'ai actuellement, mais transparent, translucide, avec un voile par-dessus. Quelle émotion vibre dans ton corps, dans cet espace-temps? Je suis bien. Je suis un peu étonnée. Je suis bien. Tu parlais de deux planètes, n'est-ce pas? Oui. De quoi a l'air la première planète? Celle qui est dans mon dos, je la vois pas beaucoup. Peut-être des rochers. Et celle qui est devant moi ressemble à la Terre. Alors tu vas Je vois continuer de l'eau. d'avancer, de l'eau. Hein? Tu vas avancer, avancer jusqu'à un moment important. Je suis sur une plage. Continue. Je plonge dans l'eau. Je suis bien. Quelle forme a ton corps? Regarde. Je peux pas dire que je suis une sirène, non? Mais ça se rapproche. Ce Je corps sais pas exactement. est-il plutôt masculin, plutôt féminin? Féminin. De quelle couleur sont tes yeux? Regarde. Blanc. Blanc avec un peu de gris vert, je sais pas. Regarde tes C'est. mains. Combien est-ce qu'il y a de doigts aux mains? Quatre.
continue d'avancer. Les mains sont un peu palmées. Ben, je m'enfonce dans l'eau, en profondeur. Continue. Et je suis devant une grotte. Une grotte sous-marine, donc. Oui. Il y a du sable au fond. Sommes-nous oui ou non sur Terre, Régine? Je pense, oui. Continue. C'est mon domaine. Je suis chez moi. Je suis rentrée dans la grotte. Je suis chez moi. De quoi ça a l'air de l'intérieur? Des rochers, des plantes aquatiques, des poissons, d'autres créatures, oui. Mais c'est calme. Y en a-t-il d'autres comme toi ou non? Difficile à dire. Dans cette grotte? Je vois une espèce de reptile. De quoi il a Une l'air, tête de juste? crocodile un peu. En quelle année terrestre sommes-nous? Deux cent cinquante, ouais. Comme Bien. un monstre marin. Est-ce qu'il est plus grand, plus petit que toi? Oh, il est énorme. Plus grand donc. Gris vert, une tête triangulaire. Continue d'avancer dans le temps. Avance. Et tu me dis tout ce qui se passe. Je suis bloquée là. J'y arrive pas. Alors reviens au moment où tu voyais encore ce reptile. Ce moment-là. Il est caché derrière un rocher. Je vois juste sa tête et le bout de sa queue. Il y a un instant, voyais-tu son corps en entier? Pas tout à fait, Dans mais je la le même voyais mieux. position? Tu le voyais mieux. Alors reviens au moment où tu le voyais mieux, dans le temps. Ce moment-là. Tu y es? Wow, oui. Waouh! Il est sur le rocher. Pourquoi waouh? Il est effrayant. Il est énorme. Quel est son nom? Difficile à dire. Asmar, Ismar, je sais pas. Tu vas te déconnecter de cette scène et nous y reviendrons plus tard si nécessaire. J'ai envie de pleurer. Déconnecte. Connecte complètement de cette scène. Ton esprit repart en blanc, en blanc. Et nous allons nous mouvoir sur ta ligne d'espace-temps. Tu vas nous emmener au moment où tu as vu ce druide. Il a prononcé ces mots. Je suis ton père. J'y suis déjà. Bien, regarde ton corps, ton propre corps d'abord. Comment est-il? Alors, je suis plus petite. Je suis comme une petite fille. Ce corps Une est petite semblable fille. à la petite fille que tu étais en tant que Régine ou différent? Non, il est différent. Comment est-il? J'ai des ailes, comme des ailes de papillon. Comment sont Oh, tes c'est yeux? bizarre. Regarde tes yeux. Transparent. Transparent, Les comme les mains? ailes. Combien de doigts à chaque main?
Je pense que j'ai cinq doigts, oui, je suis pas sûre. Hein. Regarde. Regarde l'une de tes mains et prends le temps de compter les doigts. Dans cette scène, combien y en a-t-il? Premier Cinq. chiffre, 5. Est-ce que tu es plus grande, plus petite que lui? Plus petite. Et lui, Régine, de quoi il a l'air? Il est habillé en blanc. Il a des cheveux très longs, blancs, des cheveux blancs, une grande barbe, comme un druide, l'allure d'un druide. Il est âgé. Le moment où il Il a l'air. prononce, où tu entends ces mots. Il est tout ridé. Je le regarde et son visage est tout fripé, tout ridé. Comment sont ses yeux? Noir. En quelle année terrestre sommes-nous? 750. On reste dans la même scène. Tu fais défiler cette scène en me racontant tout ce qui se passe. Alors, il me dit, je suis ton père, et il me tend la main. Je suis immobile et tout le monde me regarde parce qu'il y a une foule derrière lui et tout autour de moi. Ils sont tous habillés en blanc, ils sont tous à peu près identiques. Combien Mais sont-ils? au moins une centaine. Et je recule. Je suis choquée et je recule. Je sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je recule et je m'adosse à un arbre. Comme si je pouvais rentrer dans cet arbre. Avance encore. Et je deviens transparente. Je veux devenir invisible. Je rentre dans l'arbre carrément. Je fais partie de lui. Voilà. Et là, je me sens en sécurité. Que font les autres, les 100 autres? Eh ben, ils font demi-tour. Comme après une déception, ils tournent le dos, ils s'en vont. Ils s'en vont et je les vois s'éloigner, diminuer, devenir tout petits et partir. Et c'est Lui, il ainsi. attend. Il attend toujours. Il est Lui là. qui, le même, le druide? Le même, ouais, il regarde. J'ai l'impression qu'il hésite. Avance dans le temps et vois s'il finit par partir comme les autres ou pas. Regarde. Il finit par partir, mais j'ai le sentiment qu'il reviendra, qu'il va me guetter, qu'il va attendre le bon moment. Alors que nous sommes dans cette scène, dis-moi si oui ou non tu as un corps physique sur Terre. Je suis dans l'arbre. J'attends qu'il Déconnecte-toi, parte. déconnecte-toi à nouveau de cette scène. L'esprit en blanc, complètement en blanc à nouveau. Tu vas inspirer, inspirer profondément. Me dire comment est-ce que tu te sens. La boule au ventre. Traduis-moi cette boule en émotion humaine. Envie de pleurer, triste. Alors à mon 3, tu vas aller à l'origine de cette tristesse. 3. L'origine. Je
Je vois rien. Est-ce que tu sens encore cette tristesse? Oui. Ah, j'ai une boule dans le ventre, dans l'estomac. Alors garde ta main sur ton estomac. Et c'est ta main qui va absorber l'information liée à cette fréquence de tristesse et t'emmener là où a été créée cette tristesse. Alors, j'ai déjà vu cette scène. Partage-la. C'est au Moyen Âge. C'est au Moyen Âge. Je suis une maman, j'ai une petite fille. Le Seigneur, ouf, le Seigneur vient avec ses hommes pour prendre ma fille, pour en faire une servante. Il me l'arrache des bras et il l'emmène. Pourquoi Et est-elle je l'ai choisie, elle? là. Pourquoi elle? Parce que les garçons sont soit à la guerre, soit dans les champs. La fille, elle est avec moi pour m'aider à la maison et elle sera utile au château. Ils ont besoin de cuisinières, de femmes de chambre, voilà, de bonnes à tout faire. Donc, il me l'enlève de force et je verrai plus jamais ma fille. Quel âge a-t-elle? 5-6 ans. Elle est petite encore. Et je sais que je me suis un peu. Bon, j'avais du chagrin. Je me suis faite une raison, mais j'avais dans la tête de la retrouver. Et quelques années plus tard, je suis allée au château sous prétexte d'amener j'avais une corbeille de pain que j'avais fait. Et pendant qu'il prenait le panier, je me suis éclipsée pour essayer de retrouver ma fille. Et on m'a rattrapée et on m'a mis au cachot. Et on s'est moqué de moi. On m'a complètement oubliée là-bas et je crois que je suis morte de faim, de froid dans ce cachot. Regarde, regarde la Humide, cause. humide. La cause de la mort physique, si c'est le cas. Regarde. Ben, je suis morte abandonnée. On ne me donnait ni à manger, ni à boire, pas de lumière, au fond du château, dans un cachot tout noir. Et je suis morte comme ça, Regarde ton corps sur le plan, oubliée. énergétique. Alors qu'il est dans ce cachot, est-ce qu'il y a cet amas de tristesse dans le ventre? Oui, énorme. Ok. Il y a plus que de la tristesse, il y a du désarroi, du désespoir, tout ce qui peut faire mal. Cette tristesse vibre dans ton corps à l'instant même où nous nous parlons, Régine. Oh oui. Dis-moi si cette émotion affecte la femme que tu es. C'est-à-dire. S'il y a une conséquence, un impact à cette émotion pour la femme que tu es dans notre présent. Oui, bien sûr. Dis-moi en quoi ça influence celle que tu es. Ben, parce que je fais le rapprochement avec ma fille qui m'a tourné le dos de nos jours et qui m'a blessée. Et je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. J'ai rien fait de mal. Retiens pas tes larmes. C'est le moment ou jamais de se débarrasser de toutes ces émotions parasites dans ton corps. Elle et son compagnon surtout. C'est quelqu'un de très violent qui m'a fait très peur.
Voilà ce que tu vas faire. Tu vas te déconnecter à nouveau complètement de cette scène. Complètement déconnecté de ce passé. Nous allons jouer avec les perspectives. Autrement dit, l'espace d'un instant dans notre présent. Tu vas ressentir la façon dont ta fille te ressent, ce qui émane de toi, mais à travers elle, à travers ses yeux, ses propres émotions. La jalousie. Continue. De la colère. La jalousie, la colère, la méchanceté. L'ingratitude. La domination. La manipulation aussi. Déconnecte-toi d'elle, déconnecte complètement en inspirant profondément. Et de la même façon que tu as ressenti cette émotion dans le ventre, tu vas regarder ton corps, Régine, dans le présent, sur le plan énergétique, et me dire s'il y a d'autres émotions à basse fréquence dans ton corps. Oui, de la colère. Où est-ce que tu la ressens? D'accord. Oh, c'est tout ensemble avec, avec le chagrin. C'est tout. J'ai l'impression d'avoir un rocher dans l'estomac. Toutes Quelque chose de ces noir. émotions sont imbriquées, c'est ce que tu dis? Oui. Et toutes localisées au même endroit. Oui. Est-ce qu'il y a une couleur qui se dégage de ce rocher? Une ou des Oh, il est couleurs? noir, Ok, très noir. noir, très compact, très noir. Maintenant, à mon 3, j'aimerais que tu m'emmènes voir ce triangle avec ses inscriptions. 3. De quoi ça a l'air, Régine? Alors, il est carrément en profondeur, en relief. Mais en profondeur, pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Est-ce que c'est grand, petit? Il me prend une partie de l'épaule et du bras. Cet Un peu objet plus sur le bras. est immobile ou peut se mouvoir dans ton corps? C'est pas un objet. De quoi s'agit-il alors? Je sais pas si. Peut-être que c'est un objet, c'est Tu dis difficile qu'il à y a des dire. inscriptions dessus, n'est-ce pas? Oui. Alors ton esprit va déchiffrer ces inscriptions en français. Tu es à moi. Quelle est la C'est la première fonction chose. de cet objet? Appelons-le objet pour le moment. C'est la première chose que j'entends, tu es à moi. Quelle est la fonction de cet objet? Gardez le lien. Gardez un lien. Alors il est temps d'appeler celui à qui appartient ce triangle. Appelle-le, dis-lui qu'il doit se présenter maintenant face à toi. Maintenant. Tu me dis ce qui Est se là. passe. Qui est là? C'est ce fameux personnage qui ressemble à un druide. Regarde ses yeux à nouveau, Régine. Rien que ses yeux. Rouge. Sers-toi de ses yeux pour décoder son ADN et reconstruire sa forme primaire. Ben, c'est le même. C'est le même qui était au fond de la mer.
Il a, je vois ses griffes et la queue en dessous cette robe blanche qui le cache. Comment Il est-ce que tu essaye te de se sens? cacher. Ça va. Émotionnellement. Suis en colère. Pourquoi en Je lui en colère? veux. Je lui en veux. Je lui en veux de se servir de moi. Comment se sert-il de toi? Regarde. Ben, il me dit que tout ce qu'il y a de bon en moi l'attire. Et ça lui fait du bien à lui. Ça le nourrit. Son nom est Ismar. Il me dit que je peux lui donner le nom que je veux. Alors Ça n'a pas appelons-le. d'importance. Ça n'a pas d'importance. Il a raison sur ce point-là. Appelons-le Ismar. Est-ce que tu me laisserais communiquer directement avec lui? Oui, bien sûr. Alors il suffit de prêter tes cordes vocales. Afin que je puisse lui parler directement, laisse-moi parler avec Isma. Oui, je suis là. Bienvenue. Comment ça va? Oh, moi, je vais bien. Est-ce que tu La souhaites te petite, là. donner un autre nom ou on reste sur celui-là? Ismar? Oh, j'ai pas envie de te parler. Tu es obligé de me parler. Tu es en mon pouvoir désormais. La petite? De qui parles-tu? De moi, d'elle? D'elle. Qui Ah, est-elle elle est pour toi? formidable. Oh? Non, elle est formidable. Je trouve aussi. En quoi l'est-elle? Elle a quelque chose que tout le monde n'a pas. Dis-moi quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est fragile. On fait d'elle ce qu'on veut. Dis-moi ce que tu fais avec Mais cette âme. elle est très résistante, hein. Qu'est-ce que tu fais avec cette âme-là? Il n'y a qu'elle qui m'intéresse. Eh bien, elle a trop de lumière. Parle-moi d'émotion. Tu sais, c'est le langage que je comprends le mieux encore. Mais tu le sais déjà, ça. Oui, mais je veux l'entendre de toi. Quelle émotion J'ai pas. produit-elle? Eh ben, plus elle est émotive, et plus je m'en réjouis. Pour qui J'aime bien la voir comme travailles-tu? ça. Pour qui travailles-tu? C'est moi le chef. C'est moi qui décide. Ah, il semble que l'un d'entre vous, toi peut-être, souhaitait monter une coalition contre ma personne. Qui était-ce? Et alors? Et alors? On peut bien faire ça, non? Tu peux essayer, c'est vrai. Combien? Tu m'énerves. Tu Combien m'énerves. pour former cette coalition? Allez, surprends-moi. Pourquoi tu viendrais pas avec nous? Tout dépend ce que tu as à me proposer. Si l'offre est suffisamment alléchante, peut-être. Bah, tout ce que tu veux. Tout On est quoi? capable de tout te donner, tout ce que tu veux, ce que tu souhaites. Je suis capable de Mais pourvoir à mes propres besoins, à mes propres envies. Il faudrait me proposer quelque chose de grandiose, que je ne serais pas capable de me produire, de créer pour moi-même. oh, t'es trop difficile. Que pourrais-tu m'offrir?
L'éternité, la puissance. Je suis immortel. J'ai déjà l'éternité devant moi. Quoi d'autre? Bon, eh ben écoute, reste outillé, hein. Tant pis pour toi. Qu'as-tu offert à Régine? Ah, elle veut. Elle hésite, elle veut pas. Elle est résistante là-dessus. On utilise toutes ses émotions, on essaye de la faire plier, mais elle se relève à chaque fois. Oui, mais elle se fatigue. Elle s'épuise. Eh ouais, c'est comme ça qu'on va la voir. C'est comme ça qu'elle va t'avoir. Souviens-toi, c'est toi qui es pris dans la maille, dans mon espace-temps. Toi qui es devenu prisonnier de sa conscience. Elle va se débarrasser de toi et des tiens. Et qu'est-ce que tu vas faire, monter une coalition? Montre-nous pour voir. Tu veux que je les appelle? Appelle-les. Ils sont nombreux, tu sais. Appelle-les, qu'ils soient légion. Appelle-les. Regarde, ils sont des milliers. Derrière moi. Tu fais pas le poids. En réalité, si. Moi, contre un, contre dix, contre un million, ça n'a pas d'importance. Ma volonté vous domine tous. Fais-les venir, ainsi ils seront tous à moi. Fais-les venir plus nombreux. Déconnecte. Déconnecte. Régine? Aurore, il y a une espèce de... Une seconde. Déconnecté. Déconnecte-toi complètement de lui. Inspire, inspire profondément. Régine, nous sommes dans le présent en 2021. Bien. Qui y a-t-il? Un nouveau personnage s'est avancé. De quoi il a l'air? Il est tout noir, avec une espèce de tête de loup. Une cape. Une cape blanche, une grande cape et un sceptre. Regarde ses yeux. Ses yeux, rien que ses yeux. Son ADN, Régine. Ils sont rouges aussi. Reconstruis sa forme, sa vraie forme. Ouais, mais c'est un jumeau, hein. Pareil. Combien sont venus? C'est innombrable, il y en a des milliers. Et comment est-ce que tu te sens face à cette légion d'entités non humaines? Je voudrais tous les exploser. Et après quoi? Je suis en colère. Colère. Je suis en colère, je voudrais m'en débarrasser. Fais-le. Me fiche la paix. Fais-le. Montre-moi. Dis-moi ce qui se passe. Bah, ils essayent de se sauver, mais ils explosent. Tous. Y compris les deux chefs. Ils essayent quand même de résister. Ils prennent feu. Continue d'avancer dans le temps. Dis-moi s'ils ont disparu complètement. Complètement. De ta ligne de temps. Je suis pas sûre parce que j'ai toujours ce poids dans l'estomac. Sais-tu pourquoi ils sont et seront toujours là? Eh bien, parce que ils m'ont marqué comme du bétail sur cette épaule. En effet. Et que je leur appartiens toujours. En effet. Et parce que toi et eux êtes toujours compatibles fréquentiellement.
comprends qu'entre ces entités non humaines et nous autres, il y a de par essence une incompatibilité de leur essence avec la nôtre. Ce qui nous rend momentanément compatibles, c'est cette fréquence négative. C'est le ciment entre eux et nous, cette colère, cette tristesse, cette culpabilité, ce sentiment d'injustice ou d'impuissance. Tout cela leur permet d'adhérer à nos âmes humaines, de nous coller. Autrement dit, si tu les fais exploser avec cette colère, c'est comme lancer une maille qui va avoir un effet de boomerang. Ils vont exploser et puis revenir à toi. D'accord. Il y a ce ciment, cette glu fréquentielle entre eux et toi. On a parlé de ce triangle avec un reflet, avec une forme. Tu vas regarder si dans ton corps, Régine, il y a d'autres objets ne t'appartenant pas. Commence par le haut du crâne et tu descends comme si tu pouvais faire un scan. Chaque cellule, chaque organe. Regarde. Alors, il y a toujours cette espèce de plaque qui me descend le long de la colonne vertébrale comme une plaque de métal. Élargie des deux côtés en bas vers les hanches. C'est pour ça, et c'est ce qui me fait très très mal. Quelle est la fonction de cette plaque? Comment agit-elle? Regarde. C'est un conducteur. Un conducteur de quoi? De leur énergie à eux, qui m'envoie à moi. Mais c'est pas une bonne énergie en fait. Réponds-moi C'est pas par la oui mienne. ou par non. Est-ce qu'il transmute, est-ce qu'il transforme ton énergie dans ton corps? Oui ou non? Dès qu'ils voient que j'arrive à me faire des soins, que je retombe dans le positif, ils m'envoient des décharges par cette espèce de plaque. Pour éteindre en fait ce que j'essaye de faire. Ce que tu essaies de produire. J'essaye de me dégager, voilà, j'essaye de me dégager et on m'en renvoie de façon à ce que je reste prisonnière de cette énergie-là. Continue encore. Et alors dans les jambes, je ressens, alors là, c'est pas interne, mais peut-être qu'il y a quelque chose. Je ressens comme si on me caressait les jambes. Regarde ce qui se passe Je quand il y ressens a ces caresses. un mouvement. Je ressens un mouvement. Qu'est-ce qui Des se fils. meut? Des fils. Des fils qui bougent, un peu comme des vagues. La fonction de ces fils. Ils sont reliés à la plaque. Est-ce C'est qu'ils pour mieux occasionnent? diffuser jusque. Bien. Vas-y. Pardon. Vas-y, vas-y. C'est pour mieux diffuser cette énergie, cette mauvaise énergie qu'ils m'envoient. Bon, la mieux. Oui, que ça aille partout dans le corps. Partout, dans les moindres recoins. Jusqu'au bout des orteils. Regarde s'il y a autre chose dans ton corps qui ne t'appartient pas. Dans la tête, il y a comme une boîte, comme une clé USB. Que contient cette clé? Regarde. Elle est très lourde. Plonge dans En fait, l'information. c'est pour m'empêcher de m'élever, de
comme j'ai une conscience qui s'ouvre, c'est pour essayer de la refermer, en fait, pour m'empêcher d'aller plus loin. Elle s'enfonce, elle se fait sentir, elle s'enfonce, c'est pour ça que j'ai mal au cervical, parce que ça m'envoie des décharges, de façon à ce que je ne pense pas, que je reste dans le négatif, Bien, très bien. que je n'évolue pas. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens émotionnellement à mesure que nous avançons, Régine? Ça va mieux, c'est moins lourd. Maintenant, autre C'est moins lourd. chose. Nous avons parlé des différentes émotions dans ton corps. Il y en a une que tu m'as partagée au tout début de ce travail, c'est cette peur, cette crainte liée aux hommes. Te souviens-tu? Dis-moi si cela vibre dans ton corps, cette peur des hommes. Oui. Où dans ton corps? Dans le thorax, vers le cœur. Et on va travailler sur cela dans un instant. Dans un instant. Maintenant, j'aimerais que tu m'emmènes à l'une de ces fois où, alors que tu te prépares à t'endormir, tu es pris d'une toux qui te réveille brusquement. L'un de ces moments. Ah, je suis mal. Je suis Énergétiquement. en panique. Le plan physique disparaît. Plus de Je suis en... corps, plus de murs, plus de lit. L'énergie. Que se passe-t-il? L'effroi. Une peur panique. Qu'est-ce qui occasionne cette peur panique, Régine? De ne plus respirer, de ne pas arriver à respirer. J'arrive pas à respirer. Je m'étouffe. Tu Il vas faut que je me lève. choisir une position en hauteur dans ta chambre. Une position en hauteur qui te permet de tout voir. Quelle est la cause ésotérique de cet étouffement? On m'oblige à avaler quelque chose. On s'assoit sur ma poitrine pour faire pression, pour que j'ouvre la bouche en fait. Qui, Et on essaye de me faire à avaler quelque chaque chose. battement de cœur, chaque détail devient plus précis. Qui est assis sur ton corps? Regarde. Toujours la même créature. La Elle main. est très lourde. Ce qu'elle insère dans ton corps, ça a l'air de quoi au juste? C'est dégoûtant. Est-ce que c'est liquide? Est-ce que ça semble solide, gazeux? C'est gluant. Est-ce que ça a une couleur? Vert, un peu gris. Ouais, c'est... Et De quoi je veux pas avaler. s'agit-il? Tu sais ce que tu fais? Tu vas lire l'esprit de cet être. Lire l'intention qui le porte alors qu'il dépose cette substance dans ton corps. Pourquoi le fait-il? Pour m'assouvir, Comment agit cette substance dans ton corps? pour que je devienne comme lui, que je pense comme lui et que je fasse ce qu'il me demande. Est-ce qu'il y a un lien, oui ou non, Ouais. avec ce goût de sel dans la bouche? C'est possible. Regarde s'il y a un lien, oui ou non, de cause à effet. Regarde. Oui, parce que cette glu arrivée dans mon larynx, dans ma bouche, elle s'assèche et elle devient comme du sel, comme de la poussière, et elle se colle aux parois.
Elle adhère à mes muqueuses. Bien, très bien. On avance encore. Tu te déconnectes de cette scène. Et une autre scène. En inspirant profondément, il s'agit cette fois d'une silhouette, semble-t-il féminine, un toucher sur le front. Cette scène-là, Régine. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Qui est-elle? Identifie-la. Alors, au début, je croyais que c'était un de mes guides. Et elle a mis sa main sur mon front, comme une maman met sa main sur le front d'un enfant pour voir s'il a de la température. Mais dès que j'ai ouvert les yeux, elle a disparu. Mais tu la vois encore dans cette ambiance hypnotique. Et alors qu'elle pose sa main sur ton front, tu vas regarder ses yeux, identifier cet être maintenant. Difficile à dire. Dis-moi ce qui vient. Brun. Brun, peut-être noir, je ne sais pas. Voilà ce que nous allons faire pour gagner en perspective. Déconnecte-toi de cette scène. Avec une profonde inspiration, tu reviens dans notre présent 2021. Dans le présent, et tu expires. Et tu vas appeler dans le présent tous ceux, Régine, qui sont connectés à toi directement. Directement. Combien sont là? La foule, c'est énorme. Souviens-toi, les interférents indirects ne nous intéressent pas. Seuls les interférents directement connectés à toi. Ceux de ma vie actuelle, alors. Combien sont-ils? Donne-moi un chiffre. 43. Parmi ces 43, tu vas repérer le ou les plus puissants. Combien sont-ils? Trois. Bien, ces trois-là font un pas en avant, les uns à côté des autres. Parle-moi du premier. Qui est-il? C'est ma fille. Identifie-la. Il faut apprendre à identifier toute conscience dans l'éther. S'agit-il vraiment d'elle? Regarde. Elle me tourne le dos. Non. Nous sommes dans ton espace et comme ta maison. Tu commandes. Tu es chez toi. Elle se retourne et tu la regardes dans les yeux. C'est pas elle. C'est pas elle. Alors identifie cette conscience sous sa vraie forme. Tu sais le faire. Ah, c'est pas une fille, c'est un homme. Enfin, en apparence. Sa J'ai vraie l'impression que c'est un femme, forme. mais. Oui, c'est un acolyte. Autrement dit, C'est un serviteur. Un serviteur de la créature. la seconde entité parmi les trois, laquelle est-ce? Son compagnon. La troisième. C'est mon ex, un ex-compagnon que j'ai eu. Où est la Ma... créature? Régine. Elle n'est pas là. N'est pas
N'est-elle pas censée être là alors que nous appelons tous ceux qui sont connectés directement à toi? Je pense qu'il est tout au fond, il se cache. Tu as parlé il y a un instant de guide, n'est-ce pas? Oui. Appelle-les. Appelle-les maintenant. Et dis-moi qui se présente, Régine. Alors, ils ne touchent pas le sol. Ils sont à ras le sol, mais ils ne le touchent pas. Et ils sont recouverts d'un drap lumineux. Comment est-ce que tu te sens leur présence? Intrigué. Moi également, j'aimerais les voir au-delà de ce drap, au-delà de cette lumière. Dis-leur de se découvrir. Nous aimerions les voir tels qu'ils sont sous ce drap. Dis-moi ce qui se passe. C'est deux énergies. C'est même pas des corps. C'est juste des énergies Ils sont blanches. deux, n'est-ce pas? Oui. Quelle émotion se dégage de leur corps? Émotion. On est là pour toi. C'est tout ce que j'arrive à... Autrement dit, il n'y a pas d'émotion dans leur corps? Oui ou non? Cesse de J'arrive les pas à regarder. savoir. Cesse de les regarder un instant. Cesse de les regarder. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Ça va. Mais je me sens comme Comme quoi? bloquée. J'ai l'impression qu'on a mis comme une vitre devant moi. Je tape cette vitre. J'arrive pas à m'en dégager. Et maintenant, tu vas dire à l'une de ces consciences que j'aimerais communiquer avec eux. Laquelle veut bien parler avec moi? La conscience féminine. Bien, quel est son nom? Comment dois-je l'appeler? Annabelle. Me laisserais-tu parler avec Annabelle directement? Oui. Alors laisse-moi parler avec Annabelle directement. Annabelle. Annabelle. Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Sais-tu qui je suis? Mais bien sûr. Que sais-tu de moi alors? Oh, tu es une vraie star. Qu'est-ce que cela signifie? Ah, mais tu nous mets des bâtons dans les roues. Je te mets des bâtons dans les roues. Oh, pas moi, mais à nous tous. Identifie-toi. Qu'es-tu? Est-ce que ça te suffit pas, là, de me voir comme ça? Je sais qui tu T'as es, pas mais elle a besoin? besoin de l'entendre, elle a besoin de le savoir. Tu es si belle, tu es si lumineuse derrière ce voile. Elle prétend, Agine, que tu es un guide, un protecteur, n'est-ce pas? Évidemment. Montre-moi comment tu protèges cette femme, comment tu la guides. Mais je la suis pas à pas. Je lui dis ce qu'il faut faire et ne pas faire. Elle écoute, mais elle est têtue aussi, hein? Alors dis-moi, peut-être pourrais-je lui faire passer ce message correctement. Que devrait-elle faire pour suivre correctement le message?
Il faut qu'elle soit plus docile. Docile. Qu'elle arrête de réfléchir et de penser, qu'elle fasse ce qu'on lui dit. Que doit-elle faire? Explique-moi. Ce que nous, on veut. Oui, mais quoi au juste? Donne-moi un exemple. Je vais lui transmettre ensuite. Là, déjà, on a réussi. Elle est très seule, très isolée. Donc, finalement, on peut manipuler ses pensées et la faire pleurer. Et tu te prétends être son guide, n'est-ce pas? Le guide de quoi? Le Eh guide des oui. larmes, le guide du désespoir, du désarroi, de la solitude peut-être? Mais non, on la protège. On la Comment? protège. Comment la Ben, comme protèges-tu? ça, elle reste toute seule, comme ça, elle n'est pas en danger. Elle reste pour nous, pas pour les autres, pour nous. Qui donc est le danger dans la vie de Régine? L'extérieur, Qui? le monde actuel. Mais elle est humaine, elle appartient de par essence à ce système. Non, elle est à nous. Elle appartient à ce système, elle est humaine. Sais-tu pourquoi je suis venue, toi qui sais tant de choses sur moi? Ouais, bah tu peux toujours essayer, hein. Je n'essaie jamais. Je fais. Tu m'agaces. Je sais, j'ai Bla souvent bla 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 bla. les défauts de mes qualités. Nous n'allons pas parler longtemps. La discussion se termine maintenant. Laisse-moi avec Régine. Régine, déconnecte. Déconnecte! Oui. Déconnecte. Les voilà, les guides. Régine, les voilà, les protecteurs. Oui. As-tu la sensation d'être bien accompagné? Non, je pense pas. C'est de la tromperie. C'est un Comment leurre. font ces êtres, selon toi, pour briller, pour être si surprenants dans leur lumière? M'envoie des signes, il m'envoie des messages. Et j'ai toujours eu des doutes quand même. Mais je me dis, ah ben oui, c'est pas une coïncidence. Ils arrivent à me convaincre en réalisant certaines choses dans le concret pour que j'y croie. Et ça marche. Oui. Il place des pavés sur ce qui est ta destinée pour te permettre d'avancer exactement là où ils veulent. Souviens-toi de ce que je t'ai dit plus tôt. Ce qui permet à ces êtres, à ces parasites, de rester, ce sont toutes les émotions négatives dans ton corps. C'est ainsi que si tu es seul, isolé, rejetés, même par les tiens, ils sont C'est ça. satisfaits parce qu'ils restent, en te faisant croire qu'ils sont là pour ton bien. Permets-moi de te dire que cette lumière se voile sur eux. Ils l'ont volée sur d'autres humains parce qu'ils volent le meilleur de toi, le meilleur de notre humanité, pour nous leurrer. Souviens-toi encore de cette proposition alléchante qu'on m'a proposée plus tôt. Et tu vas te souvenir de cela. Rien, Régine, rien de ce qu'ils peuvent te proposer, tu ne peux le créer toi-même. Ils te proposent richesse, tu es capable de la créer. Ils te proposent protection, tu es capable d'assurer ta propre protection. Tu es ta propre lumière. À ce stade, toute ta lumière est avalée par ces êtres. Cette lumière qui est censée servir tes projets, tes aspirations, tes créations, ta joie de vivre, est aspirée par ces êtres, dévouée à leur Oui. cause, avec ton consentement. Reste à savoir maintenant, de par le temps, de par l'espace,
Quand est-ce que tu as consenti à cette interférence? Emmène-nous à ce moment-là. Vois-tu? Je suis dans une maison en pierre, Continue. toujours avec un enfant, deux enfants. Je suis toute seule. J'essaye de survivre parce que je suis très pauvre. Et c'est la scène que j'ai vue lors du test. Dis-moi ce que tu vois. Eh bien, ce sont des soldats qui s'avancent. Ils sont à cheval. Ils reviennent de guerre. Et ils vont s'arrêter devant ma maison pour me demander de l'eau et à manger. Regarde, avant même qu'ils n'arrivent, regarde-toi sur le plan énergétique. Dis-moi quelle émotion vibre dans ton corps avant qu'ils n'arrivent. Ça va, je suis bien, je m'occupe de mes enfants, je suis heureuse qu'ils soient en bonne santé. Je vis mon quotidien, je suis dans la nature, je vais me promener avec eux, je les protège, Très bien. je suis bien. Alors amène-moi au moment où, pour la première fois, tu vois l'un des interférents, l'origine de l'interférence. On y va. Le chef arrive devant ma porte et descend de son cheval et il me demande l'hospitalité. Alors je suis quand même effrayée parce qu'ils sont nombreux. Je veux bien, mais j'ai pas assez pour tout le monde. J'ai déjà du mal à joindre les deux bouts. Je leur donne le peu que j'ai, en fait. Du coup, il n'y a que le chef qui rentre dans la maison avec deux de ses soldats. Continue. Ils se rassasient de ce que je leur donne. Les autres attendent dehors. Et quand il a fini, il se lève, il me tourne le dos, il sort et dit à ses deux acolytes, eh ben, brûlez la maison. Et il s'en va. Et je brûle avec mes enfants. Le plan physique disparaît. Dis-moi ce qui se passe au niveau énergétique, Régine. Eh ben. Le peu que je vois, c'est que j'essaye de les suivre. Je suis complètement paniquée. Est-ce que tu es déjà morte? Oui. Pourquoi les suis-tu? Parce que je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. C'est pas juste. Parce qu'ils ont le pouvoir de le faire. Et finalement, c'est moi qui m'accroche à eux pour rester, pour essayer de rester vivante Est-ce que ça alors que je suis marche? morte. Est-ce que ça marche? As-tu la sensation de rester vivante à travers l'interférence? Ça dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. Déconnecte-toi de cette scène avec une profonde inspiration. Et tu reviens dans le présent, notre présent, Régine, en 2021. Maintenant, voilà ce que tu vas faire, ce que je te propose de faire. Tu vas regarder ton futur si rien ne change. Autrement dit, si tu consens à garder dans ton espace énergétique ces parasites,
ses guides même. Regarde ce que sera ton futur si rien ne change. Ce que j'ai toujours dit jusqu'à présent, je vais finir mes jours toute seule, oubliée de tout le monde. On revient sur notre base présente. Et maintenant, tu vas créer un autre futur si tout change et si tu te débarrasses, si tu es prête à être autonome, à être souveraine, à te débarrasser de tout type de conscience parasite. Regarde ton futur. J'ai retrouvé la joie de vivre. J'ai une joie communicative. Je vais vers les autres. Je les aide. Je fais ce que je peux pour les aider. Et ça me rend heureuse. Reste à prendre une décision dans notre présent. Quel type de destinée souhaites-tu te créer? C'est toi qui es aux commandes, Régine. Je veux être libérée de tout ce chagrin, ces injustices, ces incompréhensions, ces humiliations, tout ça là, qui fait partie de ma vie passée jusqu'à maintenant. J'en veux plus de tout ça. Alors c'est ici et maintenant que tout se joue. Ici et Je veux maintenant briser que les tout chaînes. Change. Bien. Alors une porte. Tu vas ouvrir une porte. Pas plus grand qu'une main. Une porte dont la fonction est de recueillir toutes ces émotions, toutes ces chaînes dont tu ne veux plus. Cette porte donne sur l'univers. Elle a la faculté de désintégrer nos émotions, de les faire disparaître. Tu décides ce dont tu souhaites te débarrasser maintenant et tu places tout ça dans ce portail. La tristesse. Commencez par la tristesse. Et tu me dis comment tu t'y prends. Sois mes yeux. Eh bien, j'arrache les chaînes. C'est comme des chaînes, je les arrache et je les lance à travers la porte ouverte. Très bien. Je les jette. Bien. Cette émotion, ce rocher dans le ventre, ici et maintenant, Régine. Définitivement. Débarrasse-toi-en. Voilà, je mets mes mains. J'arrache le rocher et pareil, je le jette à travers la porte ouverte. Très bien. Colère. Dehors. Définitivement. Dehors. C'est bien incrusté, hein. J'ai Rien du n'est mal à... incrusté. Tout dépend de ta volonté, de l'orientation que va prendre ta volonté. Et tu peux jouer toujours à ce jeu. Que se passe-t-il dans mon futur si je garde cette colère? Que se passerait-il si tout à coup je décidais de m'en libérer, de me faire ce cadeau? Tu décides de tout, à chaque instant. C'est bon. Culpabilité. Dehors. En fait, ça fait comme un défilé. Ça sort de mon corps en direction de la porte. Alors, permets-moi de t'aider. Je vais compter de 1 à 3. Le temps est chose malléable dans l'éther. Ainsi, quand je vais dire 3, tout ce qui vibre a une valeur négative dans ton corps disparaîtra dans ce portail. Prête? 1 2
Dehors, complètement et définitivement. Inspire profondément. Et dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Ah bah, il y a eu une bourrasque là. Je me sens plus légère. Et ce portail ainsi que tout ce qu'il contient disparaît. Regarde maintenant si dans ton corps il y a ce triangle, ces fils. Non, il y a juste une petite marque à la place du triangle. Dis-moi s'il y a cette Parce que boîte, c'était comme... cette clé dans ta tête. Je crois qu'elle y est encore. Alors voilà ce que tu vas faire. Ces objets sont encore là. Et cette fois, je te propose de t'en débarrasser par transformation énergétique. Tu vas créer dans ton corps une émotion qui te plaît, mais qui te plaît merveilleusement, une émotion que tu aimes ressentir dans ton corps. De quelle émotion s'agit-il? De l'amour avec C'est un grand ainsi. A. Avec un grand A. Alors, c'est ainsi qu'à chaque battement de cœur, ton corps énergétique va créer cet amour dans chaque atome de ton corps, dans chaque organe, des mouvements agréables, des vagues d'amour, désintégrant ces empreintes énergétiques, désintégrant toute dissonance énergétique. Ton corps cherchant à trouver son équilibre, son harmonie parfaite. Des vagues encore et encore. Et tous les objets dans ton corps, tout ce qui ne t'appartient pas, disparaît. Disparaît. Continue, Régine, à chaque battement de cœur, cette belle, cette folle émotion, cette merveilleuse émotion d'amour dans tout ton corps, plus légère, plus sereine. Et tu vas annuler maintenant. Dis-moi. Dis-moi. Suis désolée, j'ai le goût de sel dans la bouche C'est normal. qui est revenu. C'est normal. Ah. Et c'est bon signe même. C'est-à-dire que du D'accord. plan éthérique, le plan éthérique rejette cette substance et ton corps la métabolise en la ressentant. C'est normal. Maintenant, continue d'écouter mes instructions. Tu vas annuler tout type d'opération réalisée sur ton corps. Simplement annuler. Annuler également toute programmation. Toute programmation instillée par une autre conscience que la tienne. Dis-moi s'ils sont encore là, ces trois, Agine. Non, je vois plus personne. Bien, alors te voilà déconnecté, complètement déconnecté de toutes ces consciences, autonome, souveraine énergétiquement. Te voilà prête à appuyer ton corps physique à nouveau dans ses projets, ses rêves, ses envies. Il n'y a plus de détournement énergétique.
tout est dévolu à ton expérience humaine. Ton expérience humaine. Maintenant, oui. Maintenant, projette-toi dans ton futur avec cette condition ésotérique présente. Regarde. Les gens viennent vers moi maintenant. Je suis plus seule. Tu peux tout voir, tout créer. Regarde. Je pense que je vais pouvoir profiter de ma retraite maintenant. Enfin. Plus sereinement, on va dire. Moins angoissée, moins nerveuse. Regarde ton corps, ta santé, l'énergie animant ton corps physique. Regarde. Oui, ben ça va. Reprendre des forces. Bien. De la vitalité, oui. Est-ce que tu souhaites communiquer télépathiquement avec ces deux enfants dont on a parlé? Oui, bien sûr. Tu peux leur transmettre mentalement tout ce que tu souhaites leur transmettre. Je leur pardonne parce que je les aime profondément. Malgré tout ce mal qu'ils m'ont fait, c'est effacé. C'est pas oublié, mais c'est effacé. Ils savent pas. Je leur pardonne. Déconnecte-toi d'eux. J'aimerais. Dis-moi. J'aimerais qu'ils me reviennent, mais avec de bonnes intentions. Dis-le-leur. C'est fait. Très bien. Déconnecte-toi d'eux. Déconnecté. Bien. Est-ce que tu te sens prête pour revenir dans notre présent? Oui. Alors ma Il voix. Le faut. Ma voix. Régine qui t'accompagne. En comptant cette fois de 1 à 3 à 3, tu ouvriras les yeux. Et tu seras parfaitement de retour dans notre présent. Mais avant ça, le 1. Le 1, Régine, qui marque une déconnexion complète. Déconnecté de tout et de tous. Et toujours cette émotion d'amour dans ton corps, dans tout ton corps, chaque organe, chaque parcelle de ton corps. Mais c'est énorme. Profite, réjouis-toi. Une vibration puissante qui traverse ton corps physique à deux. Qui s'éveille, se réveille, plus dynamique, plus fort, vital, animé d'une incroyable joie, envie de vivre. Régine, et je dis trois, et tu ouvres tes yeux à notre présent. Bienvenue. J'avais pas envie de revenir, c'était bien. Oh, je suis lourde, j'ai l'impression de peser une tonne. C'est parce que tu récupères ton corps physique, ça ne va pas durer. Ah, oh, je suis lourde. Ah. Oh, quelle histoire. Comment est-ce que tu te sens émotionnellement? Régine. J'ai envie de pleurer encore. Et c'est mais pas de tristesse. Signe. C'est excellent à la fin d'avoir envie de pleurer. Je suis pleine de gratitude, pleine d'amour, de reconnaissance.
Merci, Aurore. À toi de m'avoir choisi moi Oui, pour il faut que je me t'accompagner remercie. dans ce travail. Ah, je te vois mieux. Bien, Régine, dis-moi une chose. Est-ce que tu Oui. souhaites que je partage ou est-ce que tu me permets de partager ce travail ou est-ce que tu préfères qu'il reste privé? Oh non, tu peux le partager, il n'y a rien de. Est-ce que je dois flouder ton image? Il n'y a rien à censurer. Hein. Non, non. Très bien. Je suis nature. Très bien. Si Bravo, ça peut madame. aider, on ne sait jamais. Ça peut aider. Ça Ça peut peut aider. aider. Bien sûr. Ça peut aider, ça peut apprendre des choses. On ne sait pas. Je te garde avec moi une minute en ligne? Oui, Bien. d'accord. Je te souhaite une belle continuation. Reste en ligne. Au revoir. Au revoir.